c'est bon. Mm-hmm. En fait, ça, les abonnés, ça, c'est encore plus simple avec grâce. Oups. Ah, voilà. C'est pas évident. Regardez, les abonnés. Carole, la Pécho, la Clément. Oups, désolé. En fait, les pétards pour le circuit, c'est genre une copie-sort, genre. Ça prend deux pays pour fonctionner, ça, les abonnés. C'est encore plus simple avec grâce. Il y a aussi une autre chose que vous m'avez montré. C'est ça. C'est un autre type de copie-sort, la vieille pince. La vieille pousse ça et ça, la grosse bille métallique qui pousse la grosse bille. Et ça, c'est incroyable. Quand la bille va passer, tac, va déclencher un autre chemin pour genre tourner le billage comme ça, tac, pour créer plusieurs chemins, comme ça. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer le parcours d'aujourd'hui. Regardez. L'ancien parcours, c'était mieux. T'as vu? Je vais confier un peu, je pense que je l'ai bien fait. La mettre pour B. Voilà, hop là. J'adore la pastille. Hop là. Il y a aussi, je vais vous montrer d'autres aussi, une autre pièce de gravitrace. J'adore. Elle est vraiment cool. En fait, quand vous pouvez faire des circuits infinis avec ça, regardez. Quand j'appuie ici, la bille, vous pouvez faire des circuits de bille, genre. Désolée, en fait, ça, les abonnés, ça peut être utile. Si vous voulez un circuit qui est infini, regardez. Voilà. Vous pouvez faire un circuit, genre la bille qui revient au départ, qui appuie, qui a une nouvelle bille qui monte, etc. etc. Dommage, je sais pas, il écrit quand il y a un capteur ici, tac, la bille qui pousse et monte. Ou vraiment, je vais vous mettre une pièce écrite car détecte une bille. Puis vous, faut faire des circuits comme ça, regardez qui. Par exemple, les billes qui montent en fin de jeu, comme qui retournent au début, les abonnés. Vous pouvez en faire des boucles infinies de billes, etc., etc. Aussi longtemps que vous voulez, aussi longtemps que cette force pour appuyer sur le bouton. Aussi longtemps que cette force. Et aussi, ça, c'est un looping. La bille qui passe, oui, ou qui passe au bord. J'ai pas envie de mettre ça sur le parcours pour que tu changes le parcours. Vous trouvez l'ancien Paco ou le nouveau Paco? Vous trouvez le nouveau Paco ou pas? Il y a encore plein d'autres matériels dans la face. Mais c'est tout ça. Le totem sont sales avec le temps. Ah! On avait un autre tourbillon aussi. Avec une autre pièce aussi, les billes qui passent ici. Quand vous avez vu sur le circuit, j'ai fait ça et tout. J'ai jamais compris une pièce de gravitrace. Si quelqu'un connaît mieux gravitrace que moi, c'est ça et ça. En fait, c'est ça. Je sais pas ça sert à quoi ça. Je comprends, moi. Quoi? Tu pourrais le mettre dans un endroit où il y a un trou, ça tombe, puis ça pousse trois autres billes dans trois différentes directions, fait que tu peux faire trois autres chemins après. Ou ça tombe de haut? Assez pour pousser les trois billes. Comment, de combien? Ben, comme ça ici, là. T'en as un ici, ça serait parfait. Ouais, j'avais mis un autre truc. Ça marche pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps, les abonnés. Je vous laisse sous cette vidéo, les abonnés. Et vous trouvez l'ancien parcours cool ou pas? Avec trois chemins qui se dirigent un par un. Moi, je vais essayer d'en faire un autre avec tous les restants de matériaux. Abonnez-vous et likez mes vidéos.